Hey, Johnny! Hey! Qu'est-ce que tu fais dans le coin, toi? Allez, j'ai au pet shop acheter la nourriture pour mon chat. Mais voyons donc, t'as pas de chat, toi? Ah oui? Va donc chier, t'as un chat. Oui, j'ai un chat. Comment il s'appelle ton chat? Ho Chi Minh. Il s'appelle Ho Chi Minh. Ouais. Ah, Minh. T'as à boire, t'allais chercher ça loin. C'est en l'honneur du Vietnam ou va donc se passer qu'il va finir dans le buffet chinois? Ça me tient compagnie. Ça tient compagnie. J'ai déjà eu un chat, si ça dort 23 heures sur 24. La seule différence entre un chat et un coussin, c'est que t'as jamais besoin de ramasser de la marde de coussin. Ça doit être plus le genre chien, toi, je suppose. Pas dessus. Moi, j'aurais plus jamais d'animal de compagnie. Mais si jamais j'avais un animal de compagnie, c'est sûr qu'entre les deux, ça serait un chien. Parce qu'un chien, ça communique. Au moins, ça reconnaît son nom. Un chat aussi reconnaît son nom. Oui. Il connaît son nom, mais quand tu l'appelles, c'est encore lisse. Quand même, tu me diras ce que tu voudras. Là. Moi, j'aime bien ça le soir, écouter ma TV avec mon chat couché sur moi puis l'entendre ronronner. Calisse, Johnny. Mais ça, c'est pas toi qui parle. Mais ça, c'est comme une petite grosse en peine d'amour avec son chat qui écoute le Canal D en s'émouvant devant des émissions poches là, qui rénovent des TV de BS en mangeant un barquette de canne glacée. Qu'est-ce que tu fais ça? Je me dis une affaire. Moi, j'aime mieux un chat sur moi qui me donne l'affection plutôt qu'un chien qui mange mes pantoufles puis qui bave partout. T'as-tu déjà essayé de jouer avec un chat? Yes! C'est le fun, hein? Oui. Il se met sur le dos, il fait aller une petite papate, le balané, il se lève, bang, des calices. Un petit beau jeu, hein? Oh, un chien, au moins, ça fait des jeux, si, ça joue pas en moumoune. Ça va chercher des frisbees, si, des bâtons, ça fait peur aux chats. Hey, d'ailleurs, moi, il y a une affaire que j'aime faire avec un chat. Quand un chat vient de se réveiller, des fois, ça fait 3-4 heures qu'il dort, fait qu'il est en train de dormir, là, il passe devant toi. T'attends le bon timing. Puis bang! Il fait faire un saut. Ça, là, est-ce que des fois, ça lève ça d'eau de même? Chez mon beau-frère, l'autre jour, j'ai pogné son chat, là. C'était un gros tas à part de ça. Mais je l'ai tellement pogné sur le timing, est-ce que, il a levé plus haut que moi, il a fait deux vrilles. Oh, essaye là avec ton chat, tu vas rire, c'est drôle, ça. Laisse faire, ça me tente pas d'y faire des niaiseries. Mon chat, il me comprend. Puis ça me donne une certaine sécurité. Mais là, par exemple, on n'embarquera pas sur le terrain de la comparaison de la sécurité entre le chat et le chien, là. Quand même pas un chat qui va te défendre contre des voleurs, là. Tu sais que si le feu pogne avec un chien, là, il sort pas de la maison tant que t'es pas sorti. Un chat, ben, s'il va sortir par la porte d'arrière, ça va pogner des pieds pour réveiller par ça. Mais on a. Sécurité qu'un chien, là. Peux-tu m'expliquer comment ça se fait qu'on ne pas des balayeuses? Ça va être un Rottweiler de 250 livres qui mange deux chats, quatre chihuahuas pour déjeuner, t'allumes la balayeuse à côté de lui, est-ce qu'il capote? C'est vrai, voilà. Mais que veux-tu bien dire comment ça se fait que t'as fait un détour de même pour aller chercher de la bouffe à chat, toi? Mon chat mange de la nourriture spéciale, 100% naturelle. Ton chat a une diète spéciale? Ouais, ça bouffe aucun additif, aucun préservatif. Ouais. Johnny, un chat, ça bouille dans la toilette, ça crache des boules de poils, ça mange ses crottes, c'est pas une coupe d'agents additifs qui va le déranger, je pense. Anyway, c'est de la bouffe 100% naturelle. Bon, moi donc, c'est cette affaire. Poulet, bœuf, cheval. 100% naturel. Ben oui, comme dans la nature. Hein? Le chat mange le cheval. Dans la chaîne alimentaire, t'as le chat, t'as le cheval, t'as le bœuf, et ainsi de suite. Là, tout le monde sait ça. J'ai vu ça au Canal D l'autre jour. Il montrait un troupeau de passants qui essayent d'appogner un percheron. C'était écœurant de voir ça, de toute beauté. Les chats, ils savent le percheron. Puis ils essayent de l'amener vers leur litière, tranquillement. Puis là, quand le percheron est pas loin de la litière, il y en a 3-4 qui partent pour les yeux, ils te graffinent, puis quand ils voient rien, il y en a un qui part pour la gorge aussi. Merci, bonsoir. Salut! Salut! Il mange la marque! Ah!
Bonjour, je m'en vais à Le Parieur et Ontario dans l'Est. Ben. Pourquoi vous savez pas c'est où? Ah, je sais très bien c'est où. Mais je sais aussi qui vous êtes. Ah, ça tombe bien. Moi aussi. J'espère. Tout le monde le sait qui vous êtes. Facile. Patrick Normand, hein, c'est ça. Attends un peu. Je vais dire ça, maman. Ben oui, c'est bien moi, ça. Je le savais. Je le savais. Vous êtes fort. Hey, me demande ça, l'audio. Pourquoi vous avez coupé vos cheveux? J'aimais ça, moi. Tu vois que ça faisait comme Charles Lebois, mais propre. Ah, c'est passé mode, disons. Ben, ça va revenir. Ça, ça revient tout le temps, c'est des cycles. Tu le laisses pousser, là, puis tu vas arriver très dedans. Vous écoutez pas de musique dans votre taxi, vous? Jamais. Non. Pourquoi? Mais savoir pourquoi? Parce que la musique aujourd'hui dans les chansons, c'est plate. Pourquoi les chansons sont plates? Parce que les paroles sont plates. Pourquoi les paroles sont plates? Parce que les chanteuses ont rien à dire. Pourquoi ils ont rien à dire? Parce qu'ils sont trop heureuses. Ils sont trop heureuses? Heureuses. Trop heureuses. Trop heureuses. Heureuses? Oui. Trop heureuses. C'est ça. OK. Les chanteurs, eux autres? Trop heureux. Trop heureux? Trop heureux? Les deux. Les deux? Peureux pis heureux. Parce que plein de chanteurs aujourd'hui, ils ont tout cuit dans la gueule, tu sais. Ça sort du collège privé, ça rentre à Star Academy, ça chante une fois par semaine le dimanche, ça passe à Rumba avec Garou à Paris une semaine, puis ça revient, puis après ça, là, tout que ça l'a tapé comme souffrance, c'est 3 heures de Julie Snyder par semaine. Ouais, mais ils ont du talent quand même, là. Ben, pas de mérite d'avoir le talent. Ça, c'est comme... C'est comme les orteils. Tu nais avec. C'est ce que tu vas faire avec qui compte. Puis eux autres, ils font rien avec. Pourquoi? Parce qu'ils souffrent pas. OK? Quand tu regardes les paroles de Jacques Brel, mettons. Jacques Brel, ça a souffri, mon ami, là. Puis ça paraissait dans ses chansons. Quand Brel, il chantait « Ne me quittez pas, 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 ne me quittez pas », on savait que c'était vrai. Parce qu'avec la face qu'il a, il a dû chanter souvent « Ne me quittez pas ». Tu sais, il m'a donné un exemple, OK? Un soir, là, il est en Belgique, puis c'était un Belge, fait que... Il rencontre une petite madame belge, puis ça décide de partir sur la rumba de belge, ça, là. C'est ouais, là. C'est, on mange des moules, on boit de la bière belge en passant. La bière belge, faut faire attention, parce qu'elle fasse par en arrière, en Simonac. Fait que là, ils sont sur le party, blablabla, la petite madame se ramasse chez eux, elle se réveille le lendemain matin, flambant en nu, puis pow! À 2 pouces de la face, qu'est-ce qu'elle a? La face de Brel. Ça dégrise, ça. Fait qu'il y aura beau y chanter « Ne me quittez pas, ne me quittez pas », d'après moi, à part avec le drap, c'est-tu. Ça a l'air qu'il pognait pas mal avec les femmes. Je te l'ai dit tout à l'heure. La bière belge, elle fait son assis. Hein? Non, mais le problème aujourd'hui avec les chanteurs et les chanteuses aujourd'hui, c'est qu'ils sont tous cute. Puis quand t'es cute, tu peux pas se faire. Tu sais, tu prends Marie-Lou, mettons. 17 ans, bien en Chanel, nourrie au sushi. C'est quoi la souffrance? Quand quelqu'un avait la même robe qu'elle au bal de finissant, ça va nous faire 3 chansons avec ça. Non, moi, je dis qu'aujourd'hui, là... Les vraies paroles de chansons ne sont que dedans le country. Ah, ça, je peux pas vous assigner avec ça. C'est sûr. Moi, je pensais à ça l'autre jour, puis je vous le donne, là, si vous voulez en parler maintenant quelque part. Là, je réfléchissais, puis je me disais, dans le fond, la musique de chansons arrive par la tête. La musique de noir arrive par le bassin. Puis la musique de country arrive par le car. Par ici. OK? Ça vient nous toucher direct, là. Comme votre chanson que vous avez faite, comment ça s'appelle? Laisse-moi deviner. Quand on est en amour. C'est ça, exact! Quand on est en amour. Ça, c'était vrai, cette tune-là. Tout ce qu'il y avait là-dedans, c'était vrai. Tu sais, le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Ouais. Puis ça, c'est vrai. Parce que moi, j'ai déjà été en amour. Puis le cœur me lève plus facilement dans ce temps-là. Là, c'est pas tout à fait ça que je voulais dire, là. Fais pas votre modeste! Hein? Voyons donc! Toi, Pat, là, t'es un vrai. Comme Johnny Cash. Ben, OK? Parce que Marie-Mé, je l'aime bien, là. Bien cute, elle a une belle voix toute. Mais tu sais, qu'est-ce qu'elle nous raconte dans cette histoire? Peine d'amour de secondaire 4? Pendant ce temps-là, t'as Johnny Cash qui raconte la nuit qu'il a frappé son chien avec son skidoo assis parce qu'il venait de tirer sa femme avec un coup de 12 pendant qu'il le nettoyait puis qu'il était sous. Assis, ça! C'est-tu vécu ça? C'est-tu quotidien? Vous avez un drôle de quotidien, vous? Mais hein?
Ça, d'après moi, là-dedans, il y a une guitare. Hein? Pas mal fort. Hein? C'est vrai, une guitare. C'est ça. Moi, là, à cette heure, j'ai spot, là, de loin. Parce que là-dedans, il peut y avoir rien que trois affaires. Une guitare, une mitraillette, puis tu changes. Je me suis dit, lui, c'est une guitare. Pas mal fort. Merci. Nancy, quand t'auras deux minutes, t'enlèveras mon assiette, m'amèneras un petit café, j'ai fini. Ben laisse-la là, ton assiette, là. J'ai main pleine, OK? C'est sûr, m'a laissé là, mon assiette. Si tu penses que j'ai mangé au restaurant pour m'occuper de ma propre vaisselle puis me faire le café, hey, le pustule, qu'est-ce qu'il fallait? Ben, je viens ramasser ton assiette, t'as dit que t'avais fini. C'est quand même pas toi qui vas décider si j'ai fini ou j'ai pas fini. T'es-tu assistant vérin, c'est toi? Oui, mais vide ton assiette. Hey, c'est pas toi qui vas me dire si mon assiette est vide ou elle est pas vide. Bon. Attends un peu, Nancy. Hey, j'ai pas le temps de niaiser, là. Le snack bar est plein. Donne-moi ça. Je comprends pas, là. Là, je sais que tu comprends pas, vaisselle. C'est pour ça que ça fait 15 ans que tu fais la vaisselle, vaisselle, parce que tu comprends pas. Prendre un café, s'il vous plaît! Et un café pour monsieur! Oh! Tiens! Elle va prendre une tasse, ça, c'est-tu? Mais regarde, regarde. Ah! Nancy! Ferme la porte, je veux pas que tout le monde entende! Ils sont pas capables d'entendre quelqu'un crier pendant qu'il mange, je sais qu'il aille manger ailleurs! Ferme la porte! Oh! Hey, là, c'est un rélan que le petit filet sa tête! Hein? Ben, fais que tu ouvres, va chercher la mop de quoi? Away, fly! La mop? Ça va long, l'autiste s'en vient avec la mop! Qu'est-ce que tu fais là? Ben, c'est le seul lavabo qu'on a! Tu peux pas mettre la mop dans la vaisselle sale? Une mop qui est en terre dans la vaisselle? Tu vas enlever la vaisselle sale, tu vas enlever l'eau sale, tu vas mettre de la nouvelle eau, tu vas rincer ta mop quand tu auras fini avec la mop, tu vides l'eau, tu vas mettre l'eau propre, tu laves ta vaisselle. Ben là, t'as été bien trop vite, là, je suis tout mélangé. Regarde, laisse faire, viens t'inquiète avec la mop, là. Ah ouais. Oh. Comment, tiens, penses-tu m'en faire ta job, là, si? Ah ouais. Oui, tu me vomis dessus, t'as plus de dents demain matin. Branche-toi! Regarde, au lieu de lever le cœur de tout le monde, ici, va en pharmacie en face me chercher de l'antivomie, quelque chose. Fly! Es-tu correct, toi? Oui, ça va aller, là. Ça va mieux. Quelque chose que t'as mangé hier soir? Non, c'est pas ça. Ça, là, d'après moi, là, c'est des crevettes de l'esti de buffet des esti de chinois de Calais. Elles autres, là. Non, regarde, c'est pas ça. C'est normal. Ah, oui, c'est normal. Ben oui, c'est normal, ça nous arrive tout. C'est très normal. Ça arrive dans les premiers mois. C'est des symptômes. Ben oui, les premiers mois. Ça fait ça, les premiers mois. Ben oui, c'est des symptômes de... C'est quand... C'est bien long. Et s'il y a quelqu'un qui est à quatre pattes dans les toilettes en train de se vomir les entrailles, je t'envoie à la pharmacie chercher quelque chose pour ça, puis tu me ramènes de quoi que le frigidaire, il y en a plein. Calice! C'est décourageant! C'est correct. Merci, vaisselle, je l'apprécie. T'as quelque chose dans les dents. C'est dégueulasse. Va pas là, tu vas être malade! Ah! Excuse! Et lui, là, esti, ça s'en va de même. Pensais que c'était pas possible. Ça s'en va... Demain. Ne me quitte pas.
peux-tu bien me dire dans quel pays de pygmée que t'appelles là? C'est longue distance, pas à peu près. Ça doit faire une demi-heure que tu pitonnes le numéro sur ton cellulaire. Non, non, je compose pas le numéro de téléphone. Je suis en train d'envoyer un message texte à une de mes amies. Ouais, alors. Pourquoi tu l'appelles pas à la place? C'est bien innocent, ton affaire. J'ai envoyé un message texte à sa job à la place de l'appeler. Il y a rien d'innocent là-dedans, monsieur. On fait pas juste parler avec notre cellulaire, là. Il y a Internet là-dessus. Mais ce qui est fun avec ça, là, c'est qu'on peut rencontrer des filles sur Internet. Moi, c'est là-dessus que j'ai rencontré ma blonde. Ah, t'as ta blonde que t'as envoyé un message texte? Non, non, c'est à une de ses amies. Ah! Là, je viens de comprendre le chat dans le sac. Tu y envoies un message texte parce que tu veux pas y parler en direct, parce que c'est trop gênant ce que tu veux demander. Gênant? Qu'est-ce qui est gênant? Je suis pas gêné avec elle. En plus, ça a déjà été ma blonde. Ah! C'est ça, OK. J'étais en train d'essayer de vous organiser un petit party à toi pour mettre ça sur Internet. Ben non, c'est la meilleure amie de ma blonde. Hey, le hen. Je le sais comment ça marche, les hens aujourd'hui. Ça s'organise des parties à 2, 3, 4, 5, pis bang, après ça, coller ça sur YouTube. Sur quoi vous dites? YouTube. Je voulais dire YouTube. Ouais. Je le sais, là. Si tu m'interrompais pas tout le temps avec des questions insignifiantes, tu m'aurais laissé finir ma phrase et t'aurais compris que j'allais te dire coller ça sur YouTube. Hein? De toute façon, je comprends quand même pas pourquoi si tu y écris au lieu de parler, ça va bien plus vite de parler. Je suis pas d'accord avec vous. Ben moi, je suis d'accord avec moi. Je te le dis que c'est plus vite. Si moi, je parle au téléphone, t'essayes de me suivre avec tes deux pouces à côté sur ton petit clavier, là, t'as aucune chance. Sais-tu combien il faudrait que tu tapes de mots minutes pour me suivre? Non. Hein? Prends une chance d'un chiffre, là, de même. Combien tu penses? 150. Même pas proche, ce tweet. 276, OK? Non, tournez pas là. Sur ma coupe, dis-tu que c'est plus rapide par Sherbrooke? Ouais. T'es pas peureux, toi? Si j'ai déjà pogné une heure pour moins que ça, là. Laisse faire ton petit Mac Quest, là. On va se fier à ça ici. Non, je vous le dis. Il faut tourner sur Sherbrooke, c'est plus rapide. Hey, enlève ça de ma face. T'as dit que tu prends des chances, là. Si tu vas faire trois tours dans ta casquette. Oui, le jour où un ordinateur de cette grosseur-là va me dire quel chemin prendre, ce jour-là, il est pas encore né. En tout cas, je vous dis ça de même, mais Mac Quest se trompe jamais. Ah non? Mac Quest se trompe jamais? C'est ton MapQuest, là. Y a Saint-Tiex au coin de Mosin pis Saint-Joseph? Non, pas. Je veux que c'est fourré parce que c'est ça que tu débarques. Non, non, y a pas de way-way. Ciao, bye. Bye, la calotte. Ciao, bye. Je comprends pas, là. Il y a besoin de soins spécialisés, mais on n'a pas ça ici. Oui, là, regardez-les, il s'amuse comme un fou, il est encore en pleine forme, là. Je vous dis franchement. Écoutez, je vous dis franchement, là, il pue du monde. Puis ça dérange les autres résidents, puis moi, j'ai perdu le contrôle. Ils se plaignent parce qu'ils sont jaloux, regardez-les, là. Ils font rien, là. Lui, il fait toutes les affaires tripantes, les autres sont toutes bien. L'autre jour, il a arraché les dentiers dans la bouche de tout le monde, puis il s'est mis à jouer proche avec. Ça drôle. Là, vous mélangez tout, là, madame la directrice. Ça, ça prouve une affaire, c'est que son cerveau fonctionne encore et qu'il est plein d'imagination. Non, non, c'est la preuve qu'il aime ça mettre le trou. Vous, vous êtes pas là à 3 h du matin, hein, quand il se met à courir dans les corridors, là, avec une couche sur la tête, en chantant du Willy Lamotte. Non, je suis pas là, puis ça me fait de la peine de pas être là pour le faire avec lui. Parce que nous autres, on s'ennuie de Willy Lamotte. Willy Lamotte, c'est un gars coloré, tout le temps un petit pantalon carotté, aussi, puis à Willy. Changez pas de sujet. Rappelez-vous, là, seul sur la route, je suis triste. Oui, monsieur Dubois, il me la chante tous les soirs. Bien, c'est pour ça, c'est parce qu'il s'identifie à ça, parce que ça, le country, c'est la musique du peuple. Willy Lamotte, il chantait au peuple, les émotions brutes. Rien à voir avec déranger le monde, ça, là. Oui, mais ça, ça n'a rien à voir avec votre père. Écoutez-moi bien. Quand je suis venu ici, vous m'avez fait faire la petite visite guidée, là, avec votre café de fraîchier, comme des ballons sur le dessus, puis un petit pamphlet, vous m'avez dit que, ici, vous vous occupiez des vieux, puis nanana. On s'occupe des personnes autonomes. OK, d'abord, question. Quand
mon père a enlevé les dents des autres pour jouer aux poches avec. Est-ce que quelqu'un l'a aidé? Non. Donc, il est autonome? Non. Regardez, regardez bien, là. Moi, j'ai payé jusqu'à la fin de l'année, puis vous allez le garder jusqu'à la fin de l'année. Mais moi, j'ai perdu le contrôle en ce moment. Alors, je vais vous dire une chose. Si ça se reproduit encore une fois, une situation comme celle-ci, moi, je suis pas responsable. Vous. Parfait, mais vous ne me pointez pas du doigt, madame. Parce que ça, je suis pas capable. Fais pas votre... Fais pas votre modeste. Tiens, je vais bien que le... Tiens, je vais la faire celle-là. L'autiste s'en vient.